Et bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé qui sortira peut-être lundi, quoi, 2 sur 2, ça serait incroyable. Ça se trouve, je vais sortir deux Lundi Indé, un lundi comme à la vieille époque d'il y a 1000 ans, quoi. Enregistré un dimanche sur Twitch, twitch.tv/thesatpanda. Si tu es un gros flemmard qui ne veut pas taper dans le chat, regarde en bas, la première ligne, je te mets le lien, tu peux cliquer, voilà, et mettre follow, comme ça tu pourras savoir quand je live. Aujourd'hui, nous allons découvrir un jeu par le studio Slow Clap, qui est un studio français, il me semble. On va faire Sifu, parce que comme je dis, Sifu le faire, on va le faire. Voilà, j'ai fait la blague au chat Twitch il y a 2 minutes, ils sont ravis de la réentendre. En général, blablabla. Comme Happy Wheels. Je faisais des lundi indés avant Happy Wheels, où j'ai fait Happy Wheels d'abord et lundi indé après. Je ne sais plus. Nous allons faire Sifu. Sifu le faire, non, je vais arrêter. Nouvelle partie. Huit ans plus tôt. Encore une fois, je m'excuse si les FPS sont à la ramasse. Hein. C'est que je stream, j'enregistre et déjà, il faut générer ma gueule en 4K pour voir à quel point je suis hideux, quoi. Et ça prend beaucoup de ressources. En tout cas, le jeu bouge bien. Encore une fois, si vous voyez des ralentissements de FPS de votre côté sur l'enregistrement ou quoi que ce soit, sur YouTube ou sur Twitch, sachez que quand vous jouez au jeu, c'est du 60 FPS, hein, c'est fixe. Là, j'aime bien ce faux côté cel shading. Sympa, allons voir. Attaque lourde. Non. D'accord. Bonjour. Tu as tué mon père. X. Waouh! Ça envoie! What's going on? Who are you? Qu'est-ce que c'est les symboles en bas? Écarte-toi, un volontaire. 3. Who wants to go first? Leave him to me. No! Là, par contre, j'ai du mal à trouver la touche X. Je suis sûr qu'à la manette, ça doit être génial, quoi. Ne bouge pas. J'en prends plein la tête, hein, franchement. Est-ce que c'est assez fort dans le chat ou vous voulez que je monte un peu? Ça envoie du pâté, hein. Les bibles, le cours des ceintures blanches. Ok. Ah. Bro. I thought you said they'd put up a fight. I'm barely breaking a sweat. Boucle la zone. C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Sure. Non, ça, elle est où? Ah, il faut savoir que je le découvre là totalement avec vous en live, mais j'ai hâte de refaire ça sans les petits lags d'enregistrement, quoi. Ça a l'air de bien bouger, hein, les mouvements sont sexy, quoi. Par contre, cette caméra à la Max Payne sur l'épaule du perso, c'est un peu dérangeant, je trouve. On verra bien. Bonjour. Get him now. Oh génial. J'ai l'impression que ça reprend tous les... Enfin,
tous les codes. Quelques codes des films d'action hongkongais. Ah, c'est génial ça. C'est bien, c'est intuitif. Non, ça c'est un peu... Calmez-vous. Yang. How dare you set foot in here again? All right, then. Alors par contre, je suis pas là pour discuter, si vous voulez. Là, par contre, c'est un peu chiant pour voir s'il y a quelqu'un qui t'arrive par derrière. Merci GameGeek pour le raid, c'est gentil. Je suis sûr que j'ai massacré ton nom, on va faire ça mieux. Eh, des esquives! Ah non, c'est Game Geek, c'est bon, pour une fois. Ça tape sur plein de gens, ouais, j'avoue. Après, je me dis, je vais regarder l'enregistrement, peut-être que je ferai juste des découpages dans la VOD du live, parce que... Ça me fait un peu chier que ça soit tout saccadé, en vrai. Oh. T'es un pote à moi, toi? Where is he? Stop. Je suis le bad guy. Yang. Of course. You've gotten slow, Sifu. Sifu, ça? You know why I'm here, don't you? Just step aside. You were a mistake. Ah. I should never have taught you. Now you know too much. By returning here tonight, you've given me a second chance. This time, I will do what I must. Le petit col à la Bruce Lee. J'essaie de comprendre, c'est les subtilités dans le... Pourquoi F maintenir? Pourquoi choisir le point ZQSD? J'ai rien compris. Rien quoi, je me fais allumer mais je sais pas ce qu'il veut que je fasse. Oui, lève-toi. Non mais le problème c'est que tu me dis ZQSD mais il se passe rien quoi. On va utiliser la technique du bourrin ultime, hein. on va bourriner, ça vient se passer au bout d'un moment. Le bouton F qui ne sert à rien quoi. Il y a des indicateurs, hein. Je sens que le jeu veut me dire quelque chose.
Et il oublie qu'il est censé me parler, voilà. J'ai tout fait au pif, mais ça passe, donc ça c'est bien. J'aimerais comprendre l'UHD, comment on dit ? UTH ? UDH ? Je ne sais plus. Le HUD, merci. When I look into your eyes, I see nothing but a frightened, angry child. Je suis sûr que c'est mieux à la manette. Donc là, typiquement, j'ai tout bloqué, mais il a fait non, j'ai pas envie. Je suis à peu près sûr que je peux finir sans regarder vraiment. J'ai gagné. J'ai compris qu'il y avait des esquives et une parade, et que la barre de parade, au bout d'un moment, elle devient rouge quand tu bloques trop. Et ça peut briser ta garde. Tu peux parer les coups aussi. Après, petite fille. Va aller casser les tibias. Alors j'imagine que le combat est scripté, tu peux pas le perdre. Que t'es censé être le méchant qui tue le grand-père de la petite. Donc. C'est un combat pour de rire. Ouais. Mais si tous les combats de boss c'est ça, ça va être chiant.
Je pense que c'est là maintenant que le jeu va vraiment démarrer. Le début, c'était juste pour poser l'ambiance. Donc il faut pas juger le gameplay sur ça, d'accord ? Je faisais mon numéro de petit comique. Ah merde, je pensais qu'on allait vraiment jouer à la petite, quoi, qu'elle allait tuer des gens comme ça, là. Le botaniste. Dévié, paré, barre espace. C'est vrai qu'à la au clavier c'est pas évident, mais ça doit se faire. Esquiver les attaques hautes. Eh ben relève-toi. Le gameplay a l'air méga profond, quoi. Et c'est tout basé sur des milliards d'esquives et moi je vais jamais y arriver, quoi. C'est beaucoup trop dur. L'artiste. Coup de pomme. J'ai pas compris, coup de pomme. S, Z. Ouais, au clavier c'est un peu chaud, mais je pense que c'est une histoire. Il faut apprendre. Ouais, mais ma manette, je vous l'ai dit, je l'ai pas en fait, je l'ai prêtée. Sinon oui, à la manette doit être vachement plus jouissif, je pense. La PDG. Balayage. Je comprends. SZ. Je comprends pas cette combinaison de touches. SZ plus clic droit. Marche pas. Hein. Les deux en même temps, mais c'est ce que je fais. Ah, ça y est, j'ai réussi à en placer un. Il est un peu capricieux sur son timing, mais bon. Comme ça? Ah oui, c'est ça, t'as raison. Bien joué. Merci pour le... Je crois que j'ai trouvé ma combi, quoi. Ok. Ça va. Je pense qu'on a trouvé notre combo, les amis. GGBG, ouais. On va lui tenter le Kung Fu Balayette, le leader. Ça marche bien le balayette au sol.
Ah, en fait, c'est que c'est une position absolument pas naturelle de faire SZ et... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mettez votre main sur le clavier, sur le ZQSD comme vous faites d'habitude, et essayez de faire SZ et une touche. Ça vous oblige à déporter votre main, quoi. C'est un peu rigolo. Et c'est vraiment les contres que je maîtrise pas du tout. Il m'a tranché la gorge à Duna, c'est le premier sur la liste. C'est un botaniste impliqué dans un gang, il ne quitte jamais l'entrepôt. Merci Dunkenstein pour le sub. Sourire. Calmez-vous. Merci beaucoup pour le sub. Sinon, tu appuies au centre entre les deux touches. Non, calmez-vous. Là, si je fais. Ah. Et du coup, le coup de pomme, c'est ça, voilà. Oh putain, ça fait super mal le coup de pomme. Parce que là, vous voyez, il y a plein d'esquives en fait avec. D'accord, à part d'espace, t'évites des trucs, mais sinon là, c'est pas. En fait, je pense que la barre d'espace sert d'esquive générale. Mais tout à l'heure, ça me disait Shift. Ah, il suffit d'appuyer sur Shift pour esquiver la baston, quoi. Ok. Terminer l'entraînement, maintenir entrée. Faudra vraiment que je le refasse à la manette, je pense que ça va tout donner, quoi. Ouais. Arbre de compétences, lol, c'est un arbre. Génial. Et bah ça, on y reviendra. Qu'est-ce que je dois aller faire, du coup? Bon, par contre, vous savez quoi? On va arrêter l'enregistrement, parce que de toute façon, ça donnera rien. J'ai envie de pouvoir jouer au maximum des FPS, parce que le jeu est fun. Autant lui donner sa chance comme ça. On fera pas une vidéo là-dessus. Et squat? On va jouer pour nous sur le live et après on verra. Quitte à rechoper le jeu s'il est vraiment bien sur console pour le faire en 60 FPS comme il faut. Quoi. Ah. Parce que là ça sera mieux en 60 FPS je pense. On va juste faire... Encore non, l'autre ça fera une vidéo pourrie. Non, je vais pas la sortir, ce sera nul. Pas du 60 FPS. Ah oh, voyons qu'est-ce que ça donne. Et même là, j'ai pas l'impression que ce soit du 60. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. Get lost. Nothing here for you. Voilà. Voilà, reste au sol. Je pense qu'on va maîtriser l'art de la balayette. Ça va, ça passe sur le live, c'est propre. Bon, sinon, je vais juste découper le live et renvoyer ça comme ça, parce que ça me ferait chier qu'on ne profite pas. Faut que j'arrête d'enregistrer en fait, ça marche pas bien. Ça rampe pas bien. Vaut mieux que je découpe les lives et que je me démerde pour faire un beau live bien comme il faut. Donc je m'excuse à vous YouTube qui allez voir cette rediff de live avec un début un peu bizarre en 30 FPS quoi. Oh non, vas-y, garde la barre. Ah, je peux pas ouvrir là. Lettre au crâne. J'arrive à ouvrir, le raccourci sera utile. D'accord. Je peux pas l'ouvrir avec la barre à mine là.
Ouais, ça ressemble à ça, s'il faut, hein, faut s'y faire. Hey, how'd you get in here? Devine. Pourquoi tant de violence, quoi? Et j'ai joué du marimba sur son crâne, c'était pas rigolo. Ouais, exactement, c'est ça, Das Valmir, c'est satisfaisant visuellement, ça fait du bien à l'œil, quoi. Junkies. I don't think there'll be a problem. Je sais pas s'il y a une carte ou quoi, donc j'explore un peu au pif là. Mais... Ça va, parce que c'est des graphismes un peu minimalistes, ça te permet de gagner du temps de travail en ressources, mais en même temps c'est suffisamment bien pour que ça soit agréable à l'œil, donc c'est un bon compromis, je trouve. Ah, attends, il y avait un truc là. Oh, mais c'est une bouteille, on s'en fout. Et c'est pas de là où je suis arrivé ? Si, hein. Non, ah, peut-être pas. Bonjour. C'est moi l'ami du petit déjeuner. J'ai l'impression que ça rame un peu, quoi, c'est bizarre. L'ami Ricor et... Je viens te casser les dents. Avec un gros tube en fer blanc. Faudrait que je m'entraîne aux esquives, mais c'est tellement tentant de jouer au baseball avec leur tête, quoi, que bon. Bonjour. Je me demande si le mieux c'est pas de... J'arrive pas à faire ce que je veux encore, faut vraiment que je me mette à la manette. I can make it. Just need to run at it. You looking to score something? Oula. Allô? Oula. Allô? Ah! Petit plantage. Une exécution, tu regagnes un peu de PV. Ah, je savais pas, non, j'ai pas vu. Merci de l'info. On a eu droit à un petit plantage, hein, visiblement. J'ai trop de swag pour ce jeu. Vas-y, envoie, je veux jouer là. Il a pas l'air très très optimisé, parce que... Moi je regarde, je vous stream en 60 fps, là y'a pas de problème, mais le jeu des fois il rame, j'ai l'impression qu'il y a des petits stuttering dans le jeu. Ah mais du coup j'ai plus ma barre en fer, si. Je peux récupérer ma barre s'il vous plaît. Oulala, le système de tracking de l'arme c'est pas la teuf. Hein. Quand tu sens que c'est une difficulté à attraper un objet, écoute on va y aller sans. Même bien fun. C'est quoi ça? C'est la drogue produite ici, elle est apparue quelques années après la mort de mon père, la ville en consomme de plus en plus. Open it.
Check this fucking clown out. Oh putain, c'est à la Old Boy ça. Ah. Bon. Maintenir mâche pour continuer. Je vais juste jouer. Ah d'accord, il y a des crédits. Ça va être très très chiant. Ouais, me dites pas que c'est pas un hommage à Old Boy ça. Je me trompe à chaque fois sur la touche X quoi. Nice. Oh, par contre cette barre je l'ai torchée là. Voilà. Oula putain. Auteur de ouf le jeu quoi, c'est... Non, j'ai pas l'impression d'avoir mis des graphismes de dingue quoi. Ok, ouais, je vois que ça fait remonter la vie, ouais. Nerves get the better of you. Dur, dur, hein. Reste au sol. Patate de gitan que j'ai mis en arrivant quoi. Mais des fois je meurs mais d'un coup quoi. Y a pas de logique.
Je comprends rien au système de l'âge aussi. C'est... D'accord, j'ai commencé à la taper, elle a fait écoute, j'en ai rien à branler. Mais elle en a rien à branler de mes attaques. Plus pareil. Elle met des one shot. Oui, est-ce que tu peux arrêter d'être goldé s'il te plaît? J'aime bien le concept, mais putain, il est dur. Hein. The warehouse. I'm getting closer. Ouais, elle a commencé à 20 ans, elle en a 40 maintenant. Quoi, c'est... Ah, elle vieillit et tout en plus, enfin, c'est un peu claqué parce que là, contre un adversaire, j'ai perdu 20 ans de ma vie. Quoi. C'est quoi cette difficulté quoi. Si tu veux. Oui, ça voilà. Quoi ouais. Augmente la structure maximale. Ça a été fait par un studio français qui s'appelle SoClap. Je sais absolument pas où je dois aller. En plus, la caméra a tendance à stutter de ouf. C'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est un jeu Cocorico, mais... Putain, la difficulté, mais je la trouve aberrante, quoi. Surtout que le système est tout basé sur les esquives et les parades, elles sont un peu piffées, des fois. Non, là, j'y suis allé, là. Y'a une map ? Faut une note de kung fu. Il faudrait que déjà le jeu soit plus cohérent par rapport à ce qu'il veut te proposer quoi. Et se dégrimper, oui. Hey, ouais. Sa pote, elle a rien compris. Après, il s'est pris un tabouret dans la tête. Il est venu d'absolument nulle part. Another jump here. I can make it. C'est vrai que je peux shooter. Le gameplay est super fourni, quoi. Oh putain, il va être chiant. Lui. Shame, I'll have to throw you back through. Lui, il va être chiant. Préparez-vous au game over.
Non, bah là tu vois typiquement je l'ai fait mais il s'en est battu les couilles quoi. Quand ton gameplay est piffé, ne fais pas des QTE. Eh merci Antox, merci de me raider au moment où je vais me faire démolir quoi. Là je l'ai encore fait, il s'en est battu les couilles. Ouh. Salut tout le monde. Bon courage et mon stream. Ça part en nourrissage. Ciao ciao mec. Bonne journée. Enfin bonne fin de journée. Alors attends, il me dit espace et S. C'est bien ça qu'il avait écrit, non? Ou Shift et S? Le Shift, en fait, ça fait un pas en arrière. C'est S pas, c'est S? Ouais, mais pourtant... Alors, il faut vraiment que ça soit timé, tu peux pas juste... J'essaye de voir. Parce que Shift, tu recules. Ok. S pas, c'est S, ça fait ça. Ça fait une espèce d'esquive bizarre, mais des fois, je le spammais. Il me chopait quand même, c'était trop bizarre. Par là. Par contre, c'est cool que le perso vieillisse, plus tu perds, mais c'est un peu bizarre dans la timeline. Ah non, c'est bon. Vraiment que je l'essaye à la manette ce jeu. Je suis sûr qu'à la manette ça doit être mais tout pensé pour et ça doit être absolument jouissif. Parce que déjà que je le trouve cool là au clavier. Bonjour. Who in the fuck are you? Là, typiquement, j'ai esquivé 120 fois, il a fait non, pas là. Appuyez 120 fois sur Shift. Il y a une jauge de vitamine, de vitalité pour le Shift parce que là j'ai appuyé 120 fois, il a fait non, j'évite pas. Et toi tu as payé pour les autres. Des fois, le shift, il fait ce qu'il veut, quoi. Affiche de clap. J'ai pas trouvé un bon moyen de vraiment... Je suis persuadé que tu peux faire le jeu sans te faire toucher une fois quand tu skills, quoi. Mais entre les blocs, les esquives... Alors attends. Parce que Shift, ça te fait vraiment reculer. Après, je devais être dans le coin, c'est pour ça que ça a dû me bloquer. Ça va venir de là.
fuck you get in here? Ah. With great difficulty. And I bet you'll a lot easier. Don't even think about it, ass. Zut. C'est encore un peu la panique, hein. Really? You want some more? Mais je vais devenir un squelette au bout d'un moment, non? Je comprends pas encore le système de l'âge et des morts, mais ça va venir. Bah, j'y suis pas allé. Je suis désolé, mais il y a un truc qui est pas cohérent dans leur gameplay. Que ça fait quoi. Des fois t'esquives pour t'en prendre une autre derrière, le jeu est infernal quoi. D'accord. Pourtant j'ai appuyé sur parade hein, mais... Là j'ai appuyé sur ramasser l'arme, non mais j'ai le droit de rien faire, très bien. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de battages autour de ce jeu, il est vraiment pas bien. T'as des angles morts de caméra où les mecs peuvent te one-shot de loin et tu peux pas savoir quoi, c'est très bizarre.
Ah merde, il m'a ressorti le truc. Non, j'ai reçu une bouteille dans la tête, ce qui fait que ça m'a stunlock et l'autre m'a mis un coup à la con. Je sais pas trop quoi en penser parce que le gameplay il est bordélique quoi. Et regarde. Alors. Sifu. Ça c'est pour attaque légère, ça c'est pour attaque lourde. C'est bon jusque là? Ok, c'est cool. Donc ça là. Ça, et quand tu fais comme ça, ça c'est des esquives phase 1. Ensuite, la phase 2, c'est quand tu fais tout ça comme ça et que tu appuies là. En même temps, sur ton téléphone, t'envoies un texto. Ça c'est pour quand c'est une batte à clou. Attention, si c'est une batte à punaise, là il faut prendre le clavier numérique et le manger, tu vois, et en même temps tu fais toaster du pain. Et ça va bien se passer. Ah ouais, au clavier, il est injouable. Faut vraiment que je l'essaye à la manette, quoi. Je suis sûr, persuadé, qu'à la manette, c'est 100 fois plus intuitif, quoi. Et fun. Donc, faudra que je me le refasse. On se refera une session live sur ce jeu, mais avec une manette. Je réfléchis, mais je crois que j'en ai une. Prenez-moi une seconde. Heureux. Alors, j'ai trouvé une manette Xbox 360 qui est filaire, donc normalement je pense qu'elle doit marcher. Ça a l'air. Du coup, je vais essayer de recommencer le jeu, mais avec ça maintenant. Est-ce que ça sera plus fun? Ouais, parce que. Ah putain, par contre, les sticks ils sont usés. Par contre, elle a souffert cette manette. Parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup d'esquives qui se font avec les sticks analogiques, ce sera quand même beaucoup plus simple. Ils ont perdu toute leur aspérité, les sticks. Je sais pas si je vais y arriver. Alors, let's go. La guitare de Guitar Hero. On va voir si c'est mieux comme ça. Par contre, faut que je retrouve tous les boutons là parce que là. They've blocked the entrance to the warehouse. Need to find another way inside. C'est quoi ça? Il n'y a que RT pour faire les esquives? J'ai l'impression qu'il n'y a que RT, non? Et pour bloquer, c'est quoi? Get lost. Nothing here for you. I warned you, asshole. Par contre, j'ai des attaques. Comment on fait la balayette avec ça? Balayage. Oh bah Y. Oh là là. Oh, ça a l'air trop relou. J'ai l'impression qu'il faut rester relativement statique. En fait, j'ai trop tendance à avancer alors qu'en fait, il vaut mieux rester. Il
Faut laisser venir l'adversaire, j'ai l'impression un peu. Faut pas forcer, foncer dans le tas et éviter de se retrouver encerclé. Ça me paraît pas con. On va attendre un peu. Très énervant ce gameplay. Drop your weapon. Par contre, ils sont où les contres? You must enjoy the taste of defeat. Alors attends, choix de dialogue, ramasser, alors, attaque lourde, attaque légère, B, ramasser une arme, maintenir, interagir, sauter, d'accord. Esquiver, maintenir, courir, dévier, parer. Il faut rester appuyé là-dessus. On va y arriver, hein, mais il faut que je maîtrise le gameplay et pas foncer vers l'avant comme sur un beat'em all classique, on va dire. C'est pas Street of Rage, hein, faut pas avancer droit dans la masse, j'ai l'impression. Augmente la structure. Je comprends pas ce que c'est la structure. PV gagné après une mise à terre. Ah, ça, c'est bien ça. Combien j'ai d'XP ? J'ai 235. Et on verra ça plus tard. La structure, c'est ta capacité à maintenir ta garde. Ah, d'accord. Ok. What the fuck you doing in here, pal? Bon, déjà, c'est vrai que d'avoir l'esquive là et après faire une parade, déjà, ça aide pas mal, j'ai l'impression. La barre jaune c'est un très mieux sur la barre d'avis ennemi, c'est leur structure. Oui, c'est la barre de parade et une fois qu'elle arrive dans le rouge, là tu te fais casser la garde. Merde! Non, sors de là, sors de là! Caméra aussi quoi. Putain mais ils sont chiants, comment tu fais pour savoir que
Des fois, il te lance deux coups, des fois, ils en lancent 110, quoi. Tu fais, d'accord, je dois le savoir par cœur. Je le sais parce qu'il a cligné des yeux différemment à ce moment-là, quoi. Ah, problème c'est qu'ils ont des stun lock mais de ouf quoi. Vraiment de ouf. Ah ouais, vas-y, ramasse ton arme, vas-y. Ah merde, j'ai tourné du mauvais côté. Faudrait une arme absolument parce que c'est ça qui fait qu'elle a l'avantage sur moi. Merde! Ow! Oh, c'est génial ça. Not so tough after all. Elle est balèze. Yeah. Ouais, c'est une ennemie éveillée. Je commence à piéger le gameplay et franchement, à la manette, ça change tout quoi. Ça. J'ai presque envie de refaire le jeu du début juste pour masteriser ça quoi. C'est un random qui reçoit le pouvoir du dieu du bolossage. Ouais ok ok. Non mais c'était cool hein. Mais le problème c'est quand il y a trop d'ennemis putain c'est... dur à gérer. C'est clairement fait pour le oula. Nobody gets through. George stays alone. He's expecting me. I don't think so. Only the long-haired guy. Let's go. Pourquoi c'est moins drôle quand vous avez plus d'armes? Ok, je retire ce que j'ai dit.
C'est un jeu qui est correct, mais putain, il est sévère avec toi. Hein. Fais pas tes devoirs, il va vite le faire comprendre. Ah, le jeu est giga punitif, et moi au début, je comprenais pas, mais... Par contre, alors j'imagine qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais au clavier, c'est pas bien, quoi. Mais là, ce que je vois, surtout, c'est qu'il y a des combos. Comment tu veux les faire? Après une parade où un ennemi étourdi. Projection orientée, d'accord. Putain, il y a des combos et tout. Par contre, moi, j'aimerais mieux maîtriser les balayettes et tout ça, mais là, à la manette, autant à la manette, c'est chaud. Hein. Ah, cool. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ça, là-bas, je peux en faire ou pas? Réserve de focus. Augmente les dégâts des armes et leur impact sur la structure de l'adversaire. On va pas le remonter. PV gagné après une mise à terre, ça peut être cool. Réserve de structure. Augmente la structure maximale. C'est où que je vois les... Comment je sais qu'est-ce qui coûte quoi en fait? J'ai augmenté la structure. Alors. Coup de barre. Ça réalise un mouvement ample qui fauche plusieurs ennemis avec un bâton. Attaque focus coûte une barre. Main nue, battez-la. Lancez une attaque avec un grand mouvement vers l'avant. Comment ça? Et après, tu payes avec quoi en fait? Age max pour le déverrouiller. Ah d'accord! Score nécessaire pour le déverrouillage. Je suis à 590. Expérience 1600. Pourquoi je peux pas le faire ça? Non, ça y est, je vois, je commence à comprendre les trucs, c'est cool. Qu'est-ce que vous me conseillez, là? Ça, c'est quoi? Focus, brise figure. Tu l'as fait, t'as pris quelque chose... Ouais, je sais. Mais c'était le coup d'avant, là, tu vois. Ça veut dire que là, je peux pas, parce que j'ai déjà choisi un truc, alors que j'ai 1000 XP, tu vois, c'est... un peu couillon. Ah, merde, je peux pas y revenir. J'aurais pas dû sortir, tant pis. Ouais, les autres, tu les débloques avec des paliers. Par contre, les techniques, tu les débloques vraiment avec l'XP, ouais. C'est cohérent. J'aurais dû acheter une nouvelle technique, mais j'ai un peu paniqué, je vais pas vous mentir. C'est quoi ça? Carte d'accès. Et par contre, ça, c'est tellement mystérieux, je comprends rien, quoi. Mais pour l'instant, j'ai rien relié... Ah, si, je commence à relier des trucs, ouais. J'ai presque envie de refaire une run du début pour mieux m'imprégner de ce qui s'est passé, quoi, mais... Locked. Ah. Dans l'écran de mort, tu peux le faire, d'accord. D'accord, c'est un sorcier. Ah bah c'est le botaniste. Putain, c'est un boss. Là, je vais m'en prendre plein la mouille. Ça va pas être long. Le jeu est punitif et en plus au début il te dit pas tu veux jouer en facile ou en moyen ou Vous avez vu, j'ai essayé la balayette. Hein. Les combats sont géniaux du coup que tu dois faire. Y'a pas d'armes dans le coin là? Ah, j'ai le cœur qui bat et tout, mais c'est, t'as vraiment l'impression d'être dans un combat de kung fu. Ma garde, tu... Ah, ah.
Non, peut-être que j'apprenne des combos. Excusez-moi, à chaque fois je me rends compte que je penche comme ça, à chaque fois que je suis dans les combos. Alors c'est XXY. D'accord. Ouh, ouais, bien joué. Non, annulé. Oh, bien joué ça. Ouf. Il attendait trop pas quoi. Oh, bien joué. Oh là là, mais il est fou. À chaque fois, je suis trop greedy, quoi. Ah oui. Parce que c'était déjà pas assez dur. Ouais, sans dé, allez. Ouais non, par contre n'exagère pas non plus sur les amplitudes. Quoi. Non par contre, pourquoi lui... Lui quand il me chainlock ça marche quoi, y'a pas de problème. Il a un reach quoi. Laisse tomber, il peut attaquer à 20 000 km quoi, qu'est-ce que tu veux faire quoi. Je comprends pas pourquoi l'ordi a le droit de te chainlock et toi non, t'es... Dès le moment où il arrive à passer un coup, tu ne peux plus rien faire, quoi. Arrête de grid, arrête de grid.
Vous venez de le voir. Je lui ai fait une balayette alors qu'il avait un pied en l'air. Il a fait non, non, ça m'intéresse pas. C'est ouf. C'est un but, ça. Lui, il peut t'interrompre tes combos, mais toi, tu n'as pas le droit, quoi. C'est de la merde. Je reste admiratif devant les gens qui arriveraient à faire ça sans se faire toucher, quoi. Faudrait que j'aille voir ça, d'ailleurs. Faudrait que j'aille voir des experts qui font ça comme des oufs. Ça doit trop donner envie, quoi. Bah il est cool, hein. Il est dur. Pouah, méga punitif, mais il est très cool en tout cas. Je m'en suis bien sorti, c'est gentil de me prendre en pitié. Mais j'ai vraiment envie de... Attends, il n'y a pas moyen de le refaire du début. Revenir au menu principal. J'ai envie de m'amuser à me fighter contre les mêmes gars, mais depuis le début avec ce que j'ai appris entre temps, tu vois. Surtout maintenant que je joue à la manette. La version PC tourne bien, il y a... Un petit peu de chug de temps en temps. Mais sinon en vrai ça va. On peut pas l'écraser, ouais. Mais en vrai ça va. Il est dur mais cool. C'est mon message pour la Saint-Valentin. Il est sur Steam ou GOG? Moi je l'ai sur Epic. Donc je te laisse aller voir par toi-même s'il est ailleurs. Mais... Salut les rookies. Get out of my way. Leave him to me. No! C'est peigné de forain qui met... sera un peu mieux. Salut Tom. Alors je recommence parce que j'ai juste envie de maîtriser le jeu plus que ça, parce que là j'ai plus l'impression d'être rentré un peu au pif dans le jeu parce que j'ai commencé la 60% du jeu au clavier. Ouais, je joue Dark Vador contre les élèves de maternelle, mais là, ce que j'ai envie, c'est d'apprendre la base du gameplay, tu vois. Et pour ça, je préfère repartir du début et vraiment m'y faire, quoi. I thought you said they'd put up a fight. I'm barely breaking a sweat. Sweep the place. Parce que là, en gros, je me suis lancé dans le jeu en comprenant pas tout, en jouant au clavier qui est bordélique au possible pour faire des combos. Et après, quand je me suis mis à la manette, je me suis dit, là, c'est fun. Là, je comprends la difficulté du jeu, mais j'étais même pas trop loin. J'étais avancé dans le jeu trop pour reprendre le contrôle de la manette comme il faut, quoi. La progression était absolument pas naturelle. Ah non, c'est pas ça. Pas pour courir. Ah, tu peux recommencer les niveaux? D'accord, ben je savais pas.
Parce que là, le combat contre le papy devrait être plus intéressant déjà pour moi. Get him now. Voilà, ça a duré 3 secondes quoi, ça a été un carnage quoi. Yang, how dare you set foot in here again? You should get him. Ça aurait été cool qu'il y ait un système de double combo où tu peux pécho les deux quand t'arrives à en mettre deux sonner quoi. En fait, ça sert à rien de foncer vers l'avant comme si c'était Street Fighter 2, quoi. Faut vraiment. Faut piéger l'adversaire, quoi. Et bien pareil, esquiver, quoi. You know why I'm here, don't you? Just step aside. Merde, j'essaie trop de placer le combo. C'est trop cool de placer ça en vrai. Allez, relève-toi. Dans les yeux. Tu vois, ça se passe mieux là quand même. Maintenant que j'ai compris les contrôles quoi. Pied là. Et il fait mal par contre. Fun comme combat là, tu vois. Maintenant que j'ai les bons contrôles avec la bonne manette, je voulais lui placer un spécial à la fin, mais j'ai pas eu le temps. On peut pas passer. Show yourself. À explorer. Je pense que je vais aller voir une vidéo de Bob Lennon qui a sûrement masterisé le jeu au bout de 15 minutes. OPSP manette, je jure.
Même pas, parce que c'est une... Encore si c'était une Nacon, tu vois, mais c'est une manette Xbox 360 PC de... de 2010, quoi. Mais il a égorgé une gamine, quoi. Mais ici, Tiffon. Ah ! Tiens.